Ça fait déjà 11 ans que Mousse Diouf a disparu. Décédé à l'âge de 47 ans, en 2012, l'acteur connu pour son rôle de l'inspecteur Enigma dans la série télévisée Julie Lescaut aurait soufflé sa 59e bougie ce samedi 28 octobre. Au cours de ces dernières années, la vie du comédien aura été marquée par la maladie, bien sûr, mais aussi par des tensions au sein de sa famille recomposée. En effet, ses deux filles aînées, Tessa et Selena, issues d'une précédente relation, et sa dernière épouse, Sandrine, se disputaient régulièrement. En témoignent les révélations des deux filles. Nous avons eu des mots, des disputes, mais c'était par réaction à des faits qui sont contraires à la logique, avait-elle assuré. La fille aînée de Mousse Diouf avait reproché à sa belle-mère son indiscrétion quant à l'état de santé de l'acteur. Des people ont été informés avant nous de l'attaque cérébrale de notre père. Il a été montré tuyauté, diminué sur une chaîne de télé. On est choqué parce qu'on sait très bien que lui, pudique comme il était, il aurait jamais donné son accord.